à une réforme du droit du travail qui est énorme en termes de pertes pour les droits des salariés. C'est vrai qu'on est habitué à ce qu'il y ait des réformes, des modifications, mais même sous le temps de la droite, jamais un gouvernement n'avait porté atteinte à ce point-là aux droits des salariés. Par exemple, aujourd'hui, on va pouvoir augmenter le temps de travail des salariés, même s'ils ne sont pas d'accord. On va pouvoir licencier les salariés en étant moins sanctionnés sur les dommages et intérêts. On va pouvoir toucher au contrat de travail par accord collectif. Et là, c'est vraiment une mise en danger des principes fondamentaux des droits des salariés dans notre pays. On n'est pas du tout dans la recherche d'éviter les burn-out, d'améliorer la santé au travail. On est au contraire dans une démarche qui consiste à améliorer la compétitivité des entreprises et pas du tout dans celle de rechercher le bien-être au travail. Donc voilà, ça fait plaisir de voir la jeunesse dans la rue et mobilisée. Toi, c'est quoi ton taf ? Moi, je travaille dans le médico-social. Je suis rééducateur dans le médico-social. Et de toute façon, ça fait de... Je suis sous convention... ça pète. Sous convention nationale 66. Et du coup, c'est vrai que ça fait un moment qu'on se fait taper sur la gueule parce que soi-disant, on aurait trop de congés, soi-disant, on aurait trop d'avantages, etc. Mais bon, là, la loi travail, ça touche tout le monde. C'est ça qui est fou, quoi. C'est que ça touche tout le monde de la même manière et que tout le monde s'en prend plein la gueule. C'est juste pas possible, quoi. Ça va bien. Ça va et toi? Ah, super, on va bien. Ouais. Ouais, bien, ouais. Pourquoi tu... Le sens de ta présence ici, c'est quoi? Ben, c'est la convergence des luttes avec les militants qui militent sur les quartiers populaires et l'immigration et tout le mouvement syndical, progressiste. Il y a très longtemps qu'on a fracassé les militants de quartier et puis malheureusement on n'avait pas à nos côtés les militants syndicales et progressistes. Et aujourd'hui nous on est là pour dire justement quand on fracasse les militants de Boudieu, on va dire par honnêteté intellectuelle on est là. Et qu'à un moment donné, il va falloir qu'eux aussi pensent à nous.